sense, everything is dance. And the next thing is no movement. Les gens qui ont du talent n'ont pas fini de m'inspirer. C'est un cheval qui est au galop, qu'on peut pas brider comme ça d'un seul coup et l'arrêter. Il est déjà un acteur danseur. Moi, je suis un acteur tout court. Un interprète de cette force-là est un créateur. D'abord, c'est une bête de... Chaque fois que je vais dans la salle, il a une générosité de se dépenser pour le public qui est extraordinaire. Vous savez, il n'a jamais assuré, comme on dit, quand on n'est pas très en forme, on assure le spectacle. Lui ne sait pas l'assurer. Quelquefois, il dit « je ne suis pas en forme du tout » et il donne toute son énergie plaire au public. Je l'adore dans les personnages parce que c'est un comédien en même temps. Alors je l'adore quand il a des personnages à jouer, alors les personnages dramatiques ou les personnages comiques. Alors ceci dit, évidemment aussi, il a ce brio fantastique quand il fait que des pas de deux, de la technique, des choses qui lui sont propres. Et c'est agréable de voir la salle qui est soulevée, il emmène le monde avec lui. Quand je suis sur scène, je ne veux pas, et ça c'est vraiment directement lié à l'enseignement de Max, mais je ne veux pas que le public sente le travail. Ça je veux pas. Pour moi, un danseur, c'est quelqu'un qui fait les choses sans effort, sans aucun effort. C'est quelque chose de facile, c'est comme respirer, c'est comme manger, c'est comme boire un verre d'eau, c'est comme l'air, le soleil, c'est comme le parfum. Il faut que ça soit complètement naturel et que ça vienne naturellement. Comme tous les grands danseurs, comme tous les performeurs, les gens se déplacent et le public devient plus nombreux. Et il a porté le drap français dans le monde entier avec succès. C'est un bel ambassadeur. Pardon. Oh mon Dieu, on a froid. De bon matin, j'ai rencontré le train. C'est Maurice Béja qui un jour m'a dit viens apprendre Symphonie pour un homme seul, mais j'ai une idée de la tête pour te faire un solo. Et puis, on s'est retrouvés en studio, et au bout de 3 jours, Salomé existait. Salomé, disons que c'est un mythe, c'est un des grands mythes de l'humanité, comme Don Juan, comme Faust, c'est le mythe d'une femme, et c'est un mythe qui m'a poursuivi. Et là, tout d'un coup, ça m'intéressait de faire un danseur qui rentre dans un moment, qui rentre à la fois dans un rêve et qui
amoureux de lui-même, un peu comme sur les danseurs devant les miroirs, se détruit lui-même et s'auto-suicide. En lui, pas ses qualités physiques, parce qu'il a une technique classique, il a des possibilités modernes intéressantes, et puis son caractère. Lorsque je crée sur quelqu'un, en même temps je me sers de quelqu'un, et en même temps je suis comme un couturier qui fait une robe sur mesure, vous voyez. Ce sera pas la même robe de femme différente. Exactement à quelle date j'ai poussé la porte du cours de Max Bozzoni. Mais ce dont je me souviens, c'est que quand je suis rentré là-dedans, j'ai su que ma vie commençait là. Je ne sais pas si c'est le destin. Il s'est passé à moi tout de suite. C'est sa maman qui a rencontré une teinturière qui était avenue de Versailles. On lui a dit, mais il y a un professeur de danse qui est ici. Vous devriez aller voir Monsieur Bozzoni. Patrick est venu le lendemain avec sa mère. Et comme il était là, je lui dis, bon, bah, écoute, moi, j'ai pas l'habitude, tu essayes, tu te rentres dans le cours, tu fais ce que tu peux, et puis on parlera après. Alors, il me dit, mais sa mère, le lendemain, m'a téléphoné, il voudrait faire des pointes. Ah, je dis, mais moi, c'est pas mon affaire, ça, c'est des pointes. Ah oui, mais il sait pas s'il veut faire de la danse, s'il fait pas de pointes, il avait 9 ans, hein. Et alors, il est revenu. C'était un garçon, je crois, unique pour moi, hein, que je n'ai jamais rencontré dans ma carrière de danseur, un garçon de cette qualité au départ. Je me suis attaché à lui, parce qu'il me redonnait tout ce que je n'avais pas pu finir dans ma carrière, je le lui redonnais comme une continuation de ce que j'aurais voulu aboutir avec des progrès, car malheureusement, c'est que les danseurs, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Et alors lui m'a fait la continuation de ce que je n'avais pas fait, et je lui ai vraiment, je ne sais pas si c'était extraordinaire, mais je lui ai donné tout ce que je pouvais. Aux autres, je donnais des leçons. Lui, je faisais une espèce de synthèse avec lui, comme un cadeau d'âge dont on profite. Toujours une barre, la barre, vous savez, c'est un exercice où on se tient, on fait les assouplissements avant de danser en scène. Et lui, on lui reproche quelquefois, il arrive en scène et il part comme une fusée et vas-y.
rire. Ça, pour vous passer le trac, il est formidable. On sort. Alors, tout le monde y croit que le pâte 2, il est fini. C'est ça l'astuce. J'ai une totale confiance en Patrick. Au niveau partenaire, j'ai une totale confiance. On est habitués maintenant à danser ensemble. Vous savez, le premier souvenir que j'ai de Patrick, notre premier gala, c'est sujet. Et on dansait à Biarritz. Et nous n'avions pas répété. Et bon, là, j'étais très inquiétée. Mes premiers galas, et en plus avec Patrick Dupont, vous imaginez. Et Patrick a raté son avion. Et Patrick est arrivé juste pour le lever de rideau. Et il est arrivé en scène, il m'a dit « Écoute, moi je suis crevée, il faut que j'aille dormir, il faut que j'aille me raser. » Et il est parti, il est arrivé vraiment pour le début du pâte 2. Et il m'a tout soufflé en scène. Alors, de ça, bien écoutez, ça va quoi. Je suis là dans Don Quichotte, dans l'adage, pour briller bien sûr de mon côté, mais surtout pour elle, la faire briller, pour être derrière ou à côté. Mouvement de bras, chaque port de main est une invitation à la faire briller. C'est comme le toréador qui couche sa cape par terre pour que elle puisse pied dans la boue. C'est un pas de deux où il doit y avoir une plicité physique telle entre l'enceinteuse qu'à la limite, on n'a pas le temps de regarder pour être sûr que la danseuse est bien en avant, qu'elle est bien en équilibre, qu'elle est bien placée. Elle doit se sentir appuyée, portée, stimulée et en même temps mise en avant. Elles aiment quoi nos partenaires? Elles aiment avoir l'air, elles aiment briller, elles aiment être dans la lumière. Quelle qualité peut être, c'est qu'il a une énorme générosité vis-à-vis de sa partenaire et il y a cette espèce d'instinct animal. Et ce que j'aime beaucoup chez un partenaire, chez un danseur, c'est d'avoir, bien entendu, il y a tout un travail aussi cérébral, mais il y a aussi quelque part quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, c'est l'instinct. Cet instinct qu'il y a en scène quand... de se multiplier. Et ça, c'est assez étonnant. Avec lui, c'est vraiment une osmose, c'est vraiment un regard plongé dans l'autre, dans le regard de l'autre. Et ça, c'est important. On l'a pas avec, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est pas quelque chose qu'on a avec n'importe quel partenaire. C'est aussi parce que on se connaît très bien. Mais Patrick est spécialement comme ça. Il est profondément généreux dans sa danse et comme dans la vie d'ailleurs. Je suis toujours heureuse de danser avec lui, même si je suis un peu en danger, entre guillemets, par rapport aux répétitions. Je sais que toujours il y aura un miracle qui fera qu'en scène, il se passera quelque chose de très profond et de très, très précieux.
Lui a particulièrement cette façon de donner des contrastes dans sa danse par rapport à la musique. C'est ça qu'on appelle la musicalité. C'est même pas d'être en mesure, c'est d'être musical. Voilà, tu vois, on connaît cette ligne-là, de dos en diagonale. Oui. Non, il est pas, il fait boum. Ouais, comme une flèche. Oui. Comme une flèche. Patrick, il a beaucoup de possibilités, de styles très différents. Et moi, je dirais qu'il y a une veine de grande générosité. Générosité physique et morale. Voyez, et quand il est sur scène, il se donne totalement. Années à l'école de danse, 6 heures, t'es moins bon. Si t'es pas meilleur que le moins bon, t'es mauvais. Si t'es mauvais, t'es viré. Et c'est complètement inhumain. J'étais rentré à l'opéra avec une seule idée en tête, c'était être étoile. Le reste m'importait pas. Ils ont développé les qualités statiques de l'axe vertébral. C'est-à-dire ? Je vais absolument voir glissade ici. Piquer arabesque ici. À chaque fois, tu me fais piquer de top, c'est dans la diagonale. C'est pas possible de faire comme ça. Les poings serrés, les genoux tendus, Patrick, et pas les hanches de travers. On lance. Un, deux par deux, et on enchaîne. Un, deux, et... À cette époque-là, j'étais danseuse étoile. Et Patrick Dupont est arrivé dans ma loge, il devait avoir 9-10 ans. Et il s'est inscrit à l'opéra, il est rentré, et je l'ai vu arriver avec son petit camarade Jean-Marie.
Et ils sont venus me demander d'être leur petite mère. Donc j'ai accepté d'être leur petite mère. Et une petite mère, bon, ça veut dire qu'on s'occupe des élèves quand il y a des problèmes avec le professeur, quand il faut leur faire travailler une variation, quand on surveille un petit peu leurs études et comment ça se passe. Je veux dire, puis bon, on est là pour cajoler, pour sortir, pour les emmener, peut-être voir au spectacle. Ils viennent nous voir dans la loge pendant le spectacle. Bon, tiens, c'est un contact avec une étoile, ça les fait rêver. Il était complètement... Pétaradant, il voulait toujours être le premier, enfin c'était genre prime tout le temps, que ce soit en classe ou pendant les cours de danse. Alors effectivement, on reste un petit peu en retrait, quoi, parce qu'on est complètement l'opposé au niveau caractère. Alors lui, il fallait toujours qu'il se montre, dès qu'il y avait quelqu'un, un professeur d'invité ou je sais pas qui venait voir une classe, moi j'ai tendance à me renfermer, Patrick était en première ligne. Tu vas encore tes bras comme ça, et surtout, tu pas. Et ces deux garçons m'ont causé beaucoup de problèmes, je dois dire, parce que c'était deux schnappants, et c'était deux gamins qui racontaient des histoires à peu près à tout le monde, continuellement. Je veux dire que s'il avait 10 minutes de retard, c'était parce que sa mère était morte, s'il arrivait, il voulait pas manger quelque chose, parce qu'il avait pas mangé depuis 8 jours. Enfin, je veux dire qu'il racontait, il montait des coups terribles, mais avec un œil tellement innocent, vraiment, chaque fois on était pris, en tout cas la directrice de l'époque, Geneviève Guillot, à chaque fois croyait tout ce que Patrick lui racontait, jusqu'au jour où elle s'est aperçue que c'était un tissu de mensonge total. Et alors là, il a été convoqué, failli être envoyé, donc il est venu me trouver en larmes, et je suis allée voir la directrice, et j'ai expliqué le petit, le pauvre, il fallait comprendre, enfin, j'ai fait ce que je sens aujourd'hui, ce que viennent de demander dans ces étoiles pour leurs petits-enfants, donc j'ai pris... Mais seulement, ça s'est pas produit une fois, ça s'est produit beaucoup de fois. Mais c'est ce qui faisait aussi que Patrick était un enfant intéressant avec beaucoup de personnalité. Et que c'est vrai qu'il était tellement vivant, il avait tellement envie de bouger, qu'il était toujours prêt à faire une sottise, quoi, c'est normal. Parce que quand il faisait des conneries, c'était toujours à cause de moi. Donc quelques reportages auprès de Maître Bozzoni ou Maman Dupont, c'était toujours moi le fautif ou l'entraîneur. Il regardait les danseurs comme si c'était des étoiles qu'il avait sous les yeux, qu'il pouvait approcher, qu'il pouvait toucher. Et c'était passionnant parce que dans ses yeux, il y avait une telle admiration et un tel amour que vraiment, on était contaminé par cette passion qui reflétait dans son visage, dans son expression. Un jour, il y a un danseur qui était dans sa classe, il y avait l'examen, et ce garçon, qu'il a toujours, me dit... Monsieur Bozzoni, faites qu'il monte tout de suite dans Danseur Étoile. Il nous embête. Il est le premier automatiquement avant d'avoir commencé. Nous, on préfère qu'il monte tout de suite Étoile parce qu'il nous embête le concours. Dans ce métier, quand on a du succès, on n'a pas de copains. Et moi, j'ai la chance de l'avoir, lui.
ils s'ennuyaient un peu dans les ensembles. Ils disaient, moi, j'ai plus rien à faire. Ils voulaient danser, danser tous les jours. Hein. Alors je lui ai dit, ben, on peut aller à Varna. On a préparé Varna. Varna est le plus grand concours du monde où on retrouve les gens d'Amérique, de Russie, de Finlande, de Norvège, d'Angleterre vont là pour avoir un prix. Parce que c'est après une carte de visite extraordinaire. Il y a eu Vassiliev et puis après Baryshnikov. Et le troisième, c'était Patrick Dupont. D'abord, on a travaillé en un an. Février, je lui ai dit un jour, bon ben maintenant tu sais, faut te méfier, hein, être le premier c'est difficile à savoir, de toute façon tu seras premier s'il n'est pas le meilleur que toi, mais tu ne seras pas premier. Ah, il dit, mais ça je serai le premier. La première épreuve qu'il a passée, c'était le premier, avec beaucoup de points d'avance, et moi je suis arrivé, et j'ai vu ce petit garçon, parce que c'était un petit garçon, c'est frisé, à 15 ans, tout Varna lui demandait des autographes. On ne parlait que du petit français. J'ai dit, mais c'est fabuleux. Non, 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 il signait les autographes. Dans tout Varna, il était à table, il signait des autographes. Un caveau que déjà, comme s'il avait 30 ans de métier et tout. Patrick a eu le culot. Bien le culot d'aller se présenter et de gagner, de nous ramener une médaille d'or, ce qui veut dire que ça a complètement bouleversé l'attitude du monde chorégraphique et danse par rapport aux Français. On s'est dit, tiens, d'un seul coup, ils font des danseurs. On a découvert, redécouvert l'école française au travers de Patrick. Mes projets, c'est danser, beaucoup danser. Et puis, j'aimerais bien danser un grand pas de deux, vous voyez, sur une grande scène. Enfin, une carrière mondiale, je voudrais faire, surtout.
Je prends la alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Monte ! Ouais. Et monte ! C'est pas le temps de et ceux de la fin, ce qui est drôle, c'est que t'en peux plus. Et comme tu sens que la musique... Parce que je suis fatiguée, je monte. Oui, et puis t'as une longueur de musique. Du coup, tu t'accroches comme ça. Alors que là, tu sais qu'il y a encore des tours après. Ouais. Là, 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 et tu retournes place. C'est comme ça. Ouais. Donc alors... Attends. Hein ? Ils sont montés, là. Ils sont montés ? Ah oui, mais déjà, à la seconde, ils sont montés. Sinon, ça fait... Oui, c'est quand je fais ça que je fais ça. C'est comme, ouais, c'est comme ça. C'est à la jambe. Les 5 minutes avant d'entrer sur scène, je suis en état d'attente, je suis prêt à bondir. Quand le rideau se lève, c'est comme une explosion de neurones. Je laisse tout exploser, c'est-à-dire que j'oublie ce que j'ai appris, je me laisse porter par la musique, je me laisse envahir par mon rôle. Puis voilà, je donne, quoi. Faire 20 minutes d'applaudissements avec une salle qui est debout, qui hurle et qui s'arrête pas d'hurler, c'est hyper, hyper agréable. C'est le moment où, d'un seul coup, je me réveille à la réalité quotidienne, quoi. D'un seul coup, je me rends compte que je suis exténué, que je tiens plus debout, que je suis en train de saluer, que les gens sont là et qu'ils ont aimé. C'est le début du retour. Après, il y a le démaquillage dans la loge, il y a la douche, qui est un moment privilégié parce que c'est un moment où on se retrouve seul, soi-même, et où on se lave psychologiquement et physiquement. Et puis ensuite, il y a la sortie dehors, la première bouffée d'air qui n'est pas l'air du théâtre qu'on respire, qui est très importante pour moi. J'aime bien que ce soit un moment un peu tranquille, quoi. J'étais au festival d'Antibes et je dansais Don Quichotte avec Isabelle Guérin, je m'en souviendrai toujours. Un jour où il y avait beaucoup de vent, et je vois un monsieur que je connaissais, qui était l'administrateur du Ballet Français de Nancy, Jean-Jacques Robin, venir vers moi et me dire: écoute, est-ce que tu n'aurais pas marre de cette vie un peu de guest, est-ce que tu voudrais prendre la direction artistique du Ballet Français de Nancy? Il était très très jeune, il ne voulait pas l'accepter. Il dit: mais non, moi je veux danser. Je dis: si, parce que
Je connais une situation, puisqu'elle m'est arrivée personnellement aussi. On m'a proposé d'être directeur de la danse quand j'avais 30 ans. J'ai dit non, je veux danser encore, je ne pourrai plus danser. C'est trop difficile de faire les deux. Mais là, j'ai lui dit oui, il faut le faire. Ça a été 3 ans géniaux, 3 ans merveilleux, où non seulement le public danséen m'a complètement adopté, mais ça a été génial parce que 35 danseurs hyper motivés, des expériences graphiques avec des jeunes chorégraphes français, un programme Ballet français de Nancy au Palais des Sports avec 32 000 spectateurs. L'année suivante, encore le Palais des Sports avec une soirée entièrement consacrée à Ulysse Dove, chorégraphe américain issu de Alvin Ailey. Ulysse Dove qui nous a composé une soirée entièrement pour le Palais des Sports. Et bon, un programme triomphal, des tournées dans le monde entier. Ça a été 3 ans de folie. Oui, Daphné. Je vais désormais m'occuper d'elle, personnellement. Écoute, Alan, hein, y a des fois où... C'est l'heure, Chico. Ce qui a été très frappant, qui est toujours très, très curieux de voir, c'est quand les gens viennent d'ailleurs, et lorsqu'ils sont une autorité ailleurs, ce qui était Patrick puisqu'il était à l'opéra, c'est où les gens sont en général très... conscients et se servent de cette notoriété, de cette autorité ailleurs, ou alors ils deviennent tout à fait en deçà et avec une humilité déconcertante. C'était le cas de Patrick. C'est-à-dire que Patrick est arrivé dans un milieu, dans un métier qui n'était pas le sien, sur un plateau qu'il ne connaissait pas, pour faire des débuts cinématographiques avec un rôle très très important, et avec, je dois dire quand même, en face de lui, des comédiens de métier dont je faisais partie. C'est toujours assez angoissant. Et Patrick a abordé ça avec une grande humilité, ce qui en général est l'apanage des grands, quoi qu'ils fassent, une grande humilité, une grande lucidité et un très très grand professionnalisme. Dis donc, Alan, t'as 2 secondes pour qu'on parle? J'en ai marre. Les amateurs, les demi-pros, les débutantes, j'en ai marre. Elle rapporte. Oui, mais je peux faire autre chose, moi. Je peux danser. Ah oui, certainement. Mais on pourrait monter un truc, toi et moi. Pas un ballet, non, tu vois, une sorte de show. Alors, toi, tu le règles, et moi, je le danse. Regarde. Bon. Comme il a été comme ça, je veux dire, là, à ce moment-là, j'ai envie, justement, de qu'il soit le mieux possible dans un domaine, dans un milieu qui n'était pas le sien. Et j'ai essayé de lui apporter ce que je pouvais lui apporter, ce que je savais, ce que je pouvais savoir et ce qui pouvait lui être utile. Parce que d'abord, c'était important pour le film, donc important pour lui, pour le rôle, important pour l'ensemble du film, donc important pour moi et important pour l'histoire, etc. Et ce que je regrette, si vous voulez, dans ce film, dans Nancy une machine, c'est que pour quelqu'un comme lui, venant d'où il venait, se donnant tout le mal qu'il s'est donné, près un personnage qui était diamétralement opposé à ce qu'il est dans la vie, espèce de petit loubard comme ça, très fort, etc., que le film n'ait pas eu plus d'écoute, plus de succès, plus de...
plus de contact avec le public, parce que ça m'a fait de la peine beaucoup plus quelque part pour lui que pour moi. Parce que moi, bon, bah, j'ai connu des échecs, des succès, mais lui, c'était son premier grand truc. On en reparlera. Je ne crois pas. Dupont, se dovessi definirlo con una parola, beh, direi che quel ragazzo ha del genio. È un vero autentico diamante grezzo. La domanda che mi sono posto è stata questa. Devo cesellarlo e renderlo puro e raffinato o devo consentirgli di rimanere magari meno perfetto, ma in tutta la sua dimensione? Questo è il problema. To make him pure and make him very small, or one keeps him this enormous size and rather imperfect. See? So this is the question. Je me rappelle les rencontres Nourieff, Dupont, qui ne manquaient pas d'allure, ni de saveur, ni de piquant. Et je me souviens d'un dîner chez Nourieff, et où Patrick, avait-il raison, a-t-il tort, en tout cas pour lui, il avait raison, voulait créer le rôle du prince dans Gisèle. Et où Nourieff lui a répondu très sèchement, moi tant que je serai là, tu ne danseras pas ça, tu danseras des rôles de caractère, mais sûrement pas Gisèle. Et Patrick, très calmement, le regardant bien en face, lui a dit, vous savez, c'est pas parce que vous pouvez plus le danser qu'il faut empêcher les autres de le faire. Alors, j'ai cru que Nourieff allait lui jeter son verre de vodka à la figure, c'était vraiment à ce niveau-là, mais je dois dire que ce jour-là, j'avais apprécié à la fois le courage, la détermination de Patrick, puis l'insolence qui, moi, ne me déplaît pas. Lorsque je devins président de l'Opéra de Paris, je me suis trouvé avec un autre de mes amis, un peu encombrant, mais que j'admirais beaucoup, et avec lequel d'ailleurs personnellement j'ai pas eu de vrai problème, qui était Rudolf Nourieff. Mais pour beaucoup de raisons, Nourieff avait choisi, une fois de plus, si j'ose dire, de prendre sa liberté, et il n'a pas voulu renouveler son contrat avec l'Opéra, il est parti. Et à ce moment-là, il fallait le remplacer, trouver quelqu'un d'autre. Moi, j'avais décidé de faire confiance à la jeunesse et au talent. C'est pour ça que je suis allé chercher Patrick Dupont. Directeur de la danse, avec l'accord du président de l'Opéra de Paris, j'ai l'honneur et le plaisir de nommer étoile du ballet de l'Opéra, mademoiselle. Rentrer dans les traces de Rudolf Nourieff, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux
permis à l'opéra de travailler avec des jeunes créateurs. C'est comme ça qu'on a connu William Forsythe. Il a permis aussi quelque part au répertoire classique de se réadapter, disons, avec de nouvelles productions. Il a demandé à énormément de chorégraphes de venir. Il y a eu la tradition, mais il y a aussi eu la création. Moi, j'étais plutôt partisan comme lui d'apporter tout le mouvement nécessaire à cette maison pour en faire. C'était déjà le meilleur ballet du monde. Et je voulais vraiment que cette compagnie devienne le reflet de ce qu'il y avait de mieux au monde dans la danse actuelle. L'apport de Robbins nous avait, et la fidélité de Robbins nous avait beaucoup aidé également et avait conforté la réputation de l'opéra. Nous avons fait, Patrick et moi, nous avons beaucoup insisté pour que Roland Petit donne ses anciens ballets qu'il tenait en réserve et qu'il n'avait jamais remonté. Donc ce fut fait dans des conditions tout à fait exemplaires. Donc il y avait un vrai travail fait à la fois de regard sur le passé et de fulgurance sur l'avenir. Bien entendu, il y a le patrimoine qui est l'Opéra de Paris avec son répertoire classique et romantique. Je crois que ça, personne ne peut l'enlever. Je crois qu'il faut qu'il se perpétue de génération en génération. Mais ce qu'il y a de plus important pour un artiste, c'est qu'on crée sur lui. C'est tout le milieu créatif. Et je crois que ça, c'est la sève. C'est ça qui nous régénère. Et je pense que c'est ce que Patrick avait vraiment perçu depuis très longtemps déjà pour lui-même et ce qu'il avait envie de donner à la compagnie. Ce qui a singularisé le règne de Patrick à l'Opéra de Paris, ça a été une espèce de vent de liberté qui a existé. Et ça, c'était vraiment très important. On était sorti d'un vent merveilleux, d'ailleurs, il faut bien le dire, de dictature qui était le vent Nourrieff. Qui avait cette, impérialisme russe qui ne disputait rien à personne pour passer avec Patrick Dupont dans une atmosphère plus gaie, plus légère, faite de connivence et de complicité, mais en même temps qui était basée sur un réel professionnalisme, un réel métier. C'est-à-dire qu'il avait pris un petit peu les deux qualités de Nourrieff, différentes, qu'il avait réunies en une seule. Diriger et danser, c'est quasi impossible. C'est un effort constant, une concentration quotidienne qui finit par vous user complètement. J'ai accepté ce challenge que Pierre Berger m'a offert, mais au bout du compte, même si c'est une expérience qui est fabuleuse, qui m'a appris énormément de choses, j'en garde un souvenir très fatigué. J'ai pas eu de temps pour moi, j'ai pas vécu pendant 5 ans.
pense qu'un interprète est un créateur. Parce qu'il n'est pas là pour exécuter. C'est là où on voit la différence d'ailleurs entre, ne serait-ce qu'en musique, vous donnez la même partition de Bach à Glenn Gould ou à un petit pianiste, tout à coup on verra la différence et pourtant ils ont la même partition. Travailler avec Patrick, c'est lui apporter une base, exactement comme un scénario, et le laisser interpréter. Donc déjà il est chargé de quelque chose, donc il ne peut pas le faire n'importe comment, donc il est obligé de jouer, de travailler, d'apporter aussi sa patte. Et à partir de là, l'auteur que je suis devient metteur en scène ou chorégraphe et le guide pour lui dire ça c'est bien, ça va dans le sens, ça ne va pas. Et instaurer un rapport de confiance pour que l'interprète sente qu'on n'est pas là de manière caractérielle ou pour l'ennuyer ou le guider ou avoir des fantasmes personnels comme un auteur intouchable, mais au contraire plutôt quelqu'un qui humblement est là pour le guider. Il y a une grande fougue incroyable fascinante, c'est-à-dire quelqu'un qui se donne à 120% tout de suite, immédiatement, avec beaucoup de générosité, beaucoup de talent. Donc du coup, ça fait une espèce de cascade, de torrent qui nous arrive dessus. Donc on va dire, bon, comment on va essayer de, non pas de maîtriser, parce que ce n'était pas le but, mais de canaliser ça. Mais en même temps, c'était bien pour lui de décharger toute cette émotion, toute cette énergie. Et en même temps, c'est vrai que c'est un peu dangereux, parce que ça va trop vite, trop fort. D'ailleurs, au bout d'un moment, il avait mal parce qu'il se donnait trop à fond. Mais finalement, c'était pas mal. C'était un peu le rendu de la monnaie, quoi. En fait, il donnait trop, comme dans un miroir, et du coup, ce miroir lui renvoyait aussi cette énergie-là. Donc, à un moment donné, il a eu mal, donc il était dans cette fragilité-là. Mais ça servait le personnage d'Ulysse quand, justement, il prenait des coups. Il nous a obligés à fantasmer en même temps que lui sur le ballet, en utilisant notre technique et en même temps en faisant abstraction de ce qu'on avait appris à l'école. Il est à la fois d'une culture populaire, donc il est immédiatement contact, et en même temps il a un talent qui l'oblige à trouver des formes nouvelles. Donc je trouve qu'il fait un grand écart comme ça, humain, qui permet vraiment de bien travailler. Par rapport à un chorégraphe, je suis comme une éponge qui absorbe et qui redonne. Patrick Dupont works very quickly. He's more like an American. He doesn't ask questions about what something means. He sees things very quickly. He's able to immediately see something and make it his own. And I had never worked with classically trained dancers. And Patrick could understand my vocabulary. Being an international star, he had been in the United States. He was familiar with what was happening in the United States. Where I was coming from was encouraging. Could see something that I would indicate and immediately transform it, make it his own. And he also could help me with the other dancers, and I could talk to him about the overall structure of the work. And he could make suggestions and. Very positive in working. A lot of energy. Very open. To me, to stand on a stage is to dance. And to stand on a stage is different than standing on the street or at home. It's something that has to be learned. And I often feel that in the very basic, simple things, we haven't really trained or thought out what is
the beginning, you know, how to walk, how to crawl on stage, how to sit in a chair. And from there we can go on and do other things. And it was with this sense of dance that I started, and working with the dancers in the awareness of the movement and in stillness and ordinary things. Quelqu'un qui, comme nous danseurs, travaille des années pour arriver à un but, pour arriver à être danseur professionnel, et qui n'est pas capable d'en rire, il s'étouffe très très vite, il se sclérose, et c'est une force, je trouve une force colossale que de pouvoir rester malgré tout en dehors, et malgré tout pouvoir en rire, quoi, parce que finalement, ça n'est que du divertissement, quoi. On fabrique du rêve, et puis le jour où on a 40 ans ou 45 ans, c'est fini. Il y a des choses aberrantes, il y a des gens qui s'arrêtent au moment où ils comprennent tout. Au moment où ils ont encore la force, ils ont la lucidité, ils ont la sensibilité, ils ont la compréhension de toutes ces expériences. Donc ils sont là tout près, c'est un matériau magnifique pour un chorégraphe. Parce qu'il n'y a pas des petites choses un peu bêtes qui empêchent la créativité. On est vraiment adulte. Et souvent, ce sont les moments où les gens s'arrêtent, puisqu'à l'opéra, on a décrété qu'à 40 ans, c'était la retraite pour les dames et à 45 pour les garçons. Alors que peut-être que l'art commence là. I would like to think that in our Western dance, which is built on youth and athletic skills, that we could still have a place for performers who are 75. We in the West who think of dance stopping when one is 40 or 45 is ridiculous. I think that at 45 we know something we didn't know when we were 25 or 15. And I'm much more interested in Eastern philosophy, Eastern aesthetics, Eastern theater, the formal theater of Japan, say, the no theater. One only expects to be a master at what one's doing when one's at an older age, when one's 75. Is you're reaching a kind of maturity. This is Samba. Oh, sorry, yes. Okay. So, one, two. Patrick. Yes. Thank you.
très facile de ne plus regarder à l'extérieur ce qui se passe, d'oublier qu'il y a des saisons, d'oublier qu'en automne il pleut, d'oublier les giboulées de mars. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est pouvoir me déchirer, m'écorcher, être beau, être laid, faire rire, faire pleurer. Et pour ça, j'ai besoin de la vie, j'en ai besoin. Je suis au moment de ma vie où les choix que je vais faire sont des choix vitaux. C'est-à-dire que si je me gourre, c'est fini. Si je me gourre pas, ça peut continuer jusqu'à 70 ans, même voire 80. Bon, en revanche, tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire des films comme acteur, parce que ça fait partie intégrante de moi. Je le découvre petit à petit. Je le sais depuis longtemps instinctivement. Je l'ai toujours dit, mais je suis avant tout un acteur. Je suis quelqu'un qui joue. Je joue, j'interprète. Et si c'est des chorégraphies, tant mieux. Parce que c'est là-dedans que je suis né, je baigne dedans. Si c'est pas des chorégraphies, tant mieux aussi. Le principal, c'est que je puisse continuer à jouer, à être.